Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 34 de la carrière avec le PSV Eindhoven. Donc carrière joueur, comme d'habitude. Et comme je vous l'avais dit du coup plusieurs fois, on arrive bientôt à la fin de cette saison. Il nous restera deux vidéos pour clôturer en tout cas cette saison. Après je vais voir si j'en fais une troisième. Et je pense que si j'en fais une troisième, ce sera la dernière. Après c'est l'été, je profite un peu les gars, je pense que vous comprenez, et on reviendra bien sûr en force en septembre ou en tout cas fin août avec des nouveautés, le nouveau club pro sur FIFA 22 et pourquoi pas même du PES, enfin eFootball comme il faut l'appeler maintenant. On verra bien. En tout cas, dans la dernière vidéo, on avait fait 3 victoires très importantes avec 9 points de prix à la clé. Une première victoire 5-2, ensuite une victoire 2-0 et enfin on avait été s'imposer là-bas 1-0. Donc les noms de clubs, je sais plus trop. Ah ouais, c'est marqué, pardon. PEC Zwolle 5-2, Heracles 2-0 et VVV Venlo 1-0. Donc on s'en était vraiment bien sorti. Et malheureusement, si on veut vraiment tenir tête au premier qui est l'Ajax Amsterdam, il va falloir faire la même en remportant ces trois matchs face au FCMN. Ensuite, on recevra Willem II. Et enfin, on ira à Groningue. Donc, on va voir comment on va se tirer de cette affaire, les gars. Il va falloir vraiment empocher le plus de points possible. Parce que regardez niveau classement, il faut au moins 3 défaites et un nul de l'Ajax Amsterdam pour qu'on puisse leur passer devant. Pardon, je ne sais même plus parler français. Et on est suivi d'assez près en vrai par Feyenoord. Du coup, on a le droit à une erreur, pas deux, si on ne veut pas qu'ils nous rattrapent. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner, les gars. Hop là, on est parti. Hein. De toute façon, il n'y a rien à voir côté info. À part Mado et Ké buteur. On va voir quand même, mais je crois pas. Info club, élection. Ok, on est dans l'élection du joueur de mois de mars, c'est vrai. Face aux 3 joueurs de l'Ajax. Est-ce qu'on va le remporter? On verra bien, sûrement après ce match. Donc c'est parti les gars, pour ce match face au FCMN. Allez, c'est parti, sous la pluie. On va attaquer ce beau match à l'extérieur. Et il faut vraiment s'imposer, donc c'est parti. Ok, il est tout seul. On revient avec le drag back et on lui remet. Pas du tout en jeu. Faut finir, hein, par contre, maintenant. Faut finir, tu sais le faire. Bien sûr que tu sais le faire, Zavi. Et encore une fois, cette connexion, même en fin de saison, on est là avec Xavi. Le beau drag back qui m'a permis de me remettre dans le sens du jeu. C'est spécial. On va le revoir. Allez, le ralenti, voilà. Donc, le beau drag back. Et là, il était tout seul. Il a pris son temps. Il a envoyé une fusée au premier poteau. Et 1-0 du coup. Bien joué, Xavi. Ok, je l'ai. Le scoop turn. Et on passe en vitesse, dommage, la grosse frappe, bien arrêtée par le gardien. On est en forme aujourd'hui les gars. Ok, ça revient, tu m'as vu, je la décale, encore, oh là là, en deux temps, c'était contré, ça lui revient dessus. Mais va aller mieux pas que ça lui revienne dessus, parce que voilà ce que ça fait pour Madueke, qui est encore décisif, un nouveau but pour lui. Franchement, on part très très bien, ils ne voient pas le jour. Je sais même pas s'ils ont vu notre gardien pour l'instant. On va revoir, donc il est revenu en arrière sur moi. Je lui ai mis directement la frappe contrée et là il la prend en volée. Et le gardien qui est battu. 13e minute les gars, déjà 2-0 au tableau d'affichage. Allez. On y va. Je l'attends au second poteau. Il est tout seul. Mais c'est un festival. En 15 minutes, déjà 3-0. Je me demande si c'est vraiment en ultime et en mode compétiteur activé. Parce que là, incroyable ce qu'on fait. Madueke le doublé sur mon beau centre à terre. Super puissant. On sait que c'est cheaté cette année. Du coup, on le fait. Et ça lui arrive bien dans les pieds. Il apprend parfaitement bien. Le gardien battu. 16e minute, du coup, les gars. Et 3-0. Pas mal. Je t'ai vu. Allez, t'es pas hors jeu. Hein. T'es pas hors jeu du tout. Faut que tu finisses. Dommage. Pas mal. Tu m'as vu dans le trou. Il est énorme le trou.
Il est énorme. On enroule. Oh là là, tranquillement. Un petit effet pour enrouler ce ballon. Et ça fait un beau but. 34e minute, les gars. 4 à 0, franchement. C'est Cannes aujourd'hui. Magnifique ce qu'on propose dans le jeu. Il y a beaucoup d'espace dans leur défense et on en profite. Voilà, je le prends très bien de vitesse et là, j'ai pas stressé. Une petite enroulée tranquillement. Ça passe. Donc tant mieux. Ok, il m'a vu. Allez, on y va. Le beau contrôle. Allez, on va le provoquer. Ok, je suis passé. On revient en arrière. Allez. Hop là! Et bien sûr, la grosse faute, le penalty, les gars. Alors que ça devait finir, eh bien, ça se finira avec un 5-0, j'espère, cette fin de première période. On va voir si c'est moi qui le tire ou pas, j'espère. J'ai bien provoqué et il a craqué, malheureusement, le défenseur. Est-ce que c'est moi qui le tire? Même pas, alors que c'est ma faute. Ok, ben, t'as intérêt à le mettre. Hein. Oh, pff, à côté. Oh là là. Eh ben, heureusement qu'on mène 4-0, les gars. Dommage, j'aurais bien voulu le tirer pour mettre un hat-trick. Mais c'est pas grave, on sort de cette première période. Enfin, en fait, j'ai mis un triplé, je crois, non? Bon, je sais plus. Non, non, j'ai mis un doublé. On sort de cette première période, du coup, avec un score de 4 à 0. Et regardez, par contre, l'Ajax Amsterdam qui mène 2 buts face à nos prochains adversaires. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'ils vont réussir à gratter un petit nul. Ce serait génial pour nous. Mais ça va être compliqué. Et nous, on est du coup à 10 tirs, 7 cadrés, 4 buts. Alors qu'ils ont même pas vu la couleur de notre gardien. On est vraiment énorme en cette première période. Donc faut continuer en seconde et pas se relâcher. On s'appuie dans l'axe. Et là, il y a moyen de faire quelque chose. S'il regarde en haut, bien joué. Bien joué. Allez, on y va. Je la croise. Et bien sûr, je la croise et que ça fait but. 5-0, les gars. 55e minute. Ça fait du bien de marquer autant de buts dans le même match. Voilà, encore la grosse accélération. Cette fois-ci, j'ai croisé et ça a payé. Tant mieux. J'ai pris la bonne décision. Ça veut dire magnifique. 5-0 chez eux, ça doit faire mal. En tout cas, nous, ça nous fait du bien. Madoké qui va sortir un peu. Il a mérité. Allez, on continue comme ça. On peut repartir maintenant. Allez, tu m'as vu dans la profondeur. On s'appuie. Magnifique. Et tu finis. Oh là là. Oh que c'est de football. Oh que c'est football tout ça. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable cette action. Il vient de rentrer lui. Et déjà un but pour lui. C'est Doan. Ouais voilà. Je me souvenais plus de son nom. Mais quelle action. Le Brésil en action. Voilà. On revient. Il lui décale. Il lui met en l'air. Et là, l'insolence. Même pas en reprise de volée. D'une tête super puissante. Il arrive à battre le gardien. Bien joué Doan et bien joué à tout le monde pour cette action. 63e minute, 6-0. On la décale. Il peut me la remettre. Bien joué. Et là, je l'enroule. Dommage. Faut bien défendre sur cette dernière action. On va quand même encaisser un tir. Tranquille pour le gardien. C'est du gâteau. Bien joué. On en aura une dernière. Avec cette passe. Oh, dommage qu'il cible. J'aurais été marqué. En lui redemandant dans son dos, c'est pas grave. 6-0, c'est sur ce score que s'est soldé ce match. Et on va voir les statistiques, mais ça s'est vraiment très 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 bien passé. Franchement, ouais, c'était assez facile ce match, on s'est amusé. Ok, ben on tire 4 tirs cadrés, un non cadré et 2 buts du coup, donc c'est pas mal. Et 96% de passes réussites, j'ai raté une seule passe, donc franchement, c'est exceptionnel. 4 passes clés, ça aussi c'est très 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 bien. 10 de notes, bien sûr, hein, la base. Et du coup, en statistique, on est comment? 2 tirs, 1 cadré, 0 but pour eux. Et 13 tirs, 10 cadrés, 6 buts pour nous. Il y avait quand même une possession pour les deux équipes, j'ai envie de dire. Mais ça va, ça s'est mieux déroulé de notre côté, je pense. Enfin, j'en suis même sûr. Ah, et l'Ajax qui ont malheureusement gagné ce match. Dommage, vraiment. On aurait pu espérer quelque chose. Après, c'est pas fini, on va quand même aller jusqu'au bout, les gars, mais ça va être compliqué, c'est sûr. Du coup, le prochain match, c'est contre Willem II. Niveau classement, ça va pas bouger. On a un match de retard, par contre. Ah, donc, on a peut-être le résultat de l'Ajax Amsterdam. Ok, ils ont regagné 2-1 contre Heracles.
L'Ajax, du coup, ils ont toujours pas perdu, ils ont gagné encore, ouais. Et il va falloir qu'on assure en gagnant nous aussi. Donc les gars, on n'a pas grand-chose à voir. Peut-être voir si on a le joueur du mois de mars. Ok, ben voilà. Après cette prestation, les gars, comment ne pas l'être, j'ai envie de dire. Jeffrey est élu joueur du mois de mars grâce à ses performances exceptionnelles. Magnifique, hein, pourtant il y avait du beau monde et pourtant on s'en est sorti. Donc c'est super. Star de la semaine, on y est, Jeffrey. C'est parfait, parfait. Ouais, ben voilà, c'est tout ce qu'on a à voir. Donc on est parti pour le prochain match. Il faut gagner contre Willem 2. Second match, les gars, on part comme d'habitude, la même équipe, donc c'est parfait. C'est ce qui nous fait gagner, donc pourquoi changer, j'ai envie de dire. Il faut vraiment qu'on le gagne, celui-là aussi. J'espère vraiment qu'ils vont faire des erreurs, l'Ajax, dans cette fin de championnat. Mais de mon avis, ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment compliqué de leur passer devant. Après, pourquoi pas, on sait jamais. Mais bon, on peut toujours rêver, donc on va y aller à fond, nous, de toute façon. Ouais, allez, on est parti. Au soleil contre Willem 2. Attention, il est passé. Il est passé, les gars. Il faut l'avoir. Oh là là. On perd 1-0. Putain, on encaisse en premier. Oh. Pourtant, on était pas mal niveau attaque, mais cette fois, on n'a pas conclu aussi vite qu'au premier match. Et ça nous a coûté le premier but, en tout cas, de cette rencontre. Espérons que ça ne nous coûte pas la défaite. Faut se réveiller, les gars. Et aller marquer ses buts. Allez. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Je lui décale pour qu'il assure. Je lui décale pour qu'il assure. Mais bien sûr, mon duo préféré, Xavi, bien sûr qu'il assure. Incroyable. Belle action encore. Et ça nous permet de revenir au score. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que le poteau, ça m'avait un petit peu refroidi. Mais là, très belle action et très belle accélération. Et Xavi qui se pose pas de questions, il n'y a pas de plat du pied, il explose les cages comme à son habitude. Ah non, du coup les gars, c'est ça doit être quoi la 15e minute là. On va voir ça vite fait. Allez monsieur l'arbitre. Ah non, 30e déjà, ok, ça passe vite, ça passe vite. Non, attention, il a bien trouvé. Oh là là, il a bien trouvé. Ah, il était tout seul et il assure encore une fois, putain. Ça fait chier. Hein. Aïe 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 aïe. Faut vraiment qu'on essaye de leur passer devant avant qu'ils nous passent devant parce que ça risque d'être compliqué. Vu comme ils finissent, les gars, faut vraiment commencer à en marquer un ou deux déjà d'avance. 12 buts en Eredivisie quand même pour lui. Il est pas dégueu. Faut faire attention. Tu m'as vu. Je lui décale. Oh, sa vie, putain. Oh là là, il aurait dû tirer aussi fort qu'avant. Dommage, très belle action. Et Xavi, malheureusement, qui est pas parvenu à finir. On continue. Allez, faut siffler, merci. Là, par contre, je suis vraiment fatigué par rapport au match d'avant. Je me suis beaucoup plus donné sur les accélérations. Et du coup, ouais. On va être un petit peu en sous-régime en seconde période. On va voir vite fait les statistiques. Deux tirs de cadré, deux buts pour eux. Donc, comme je vous ai dit, hein, ils sont finisseurs. Et en vrai, nous aussi, malgré mon poteau, qui nous coûte la balle du 2-1 pour eux. Trois tirs, deux cadrés, un but. Il va falloir l'être un petit peu plus pour leur passer devant, malheureusement. Donc, on est parti pour le faire. Bien dans l'axe. On la met tout en bas. Je pense que c'est mieux. Et on la redemande en retrait. On tire direct. Le poteau, mais cette fois rentrant. Voilà, on va changer ce cours du match. Magnifique. On va aller taper ce poteau de corner. Ça va nous faire du bien. Ça va nous mettre la rage. Ok, même pas. Il m'a coupé dans mon élan. Magnifique. Il me l'a remise derrière, les gars. Et la frappe en une touche. Poteau rentrant. Je pouvais pas faire mieux, je pense, là-dessus. 56e minute. On égalise. Xavi qui sort. Ok. Donc, ouais, il faut leur passer devant maintenant et pas les laisser faire. Je suis passé. Le 1 contre 1 qui est passé. Je lui décale. Allez. Remets si jamais. Je l'enroule. Oh là là. Elle part pas bien cette enroulée du droit. Facile à capter pour le gardien. Il reste 15 minutes, les gars, pour tenter de faire quelque chose. On va se battre. Hein. On lui décale. Il peut me la remettre dans l'axe. Bien joué. J'y vais.
J'y vais la frapper! Oh, encore un mauvais tir. Allez, Ok, la Messi. récupération. On la décale. Je m'as vu. Bien joué, je l'enroule. Cette balle! Quel but! À la 89e minute. Il y a de quoi être autant content. Quel enroulé! Pleine lucarne, voilà. Il y a même l'entraîneur, les supporters, les remplaçants. Il est pour tout le monde celui-là. Magnifique! Quelle frappe j'ai été envoyé! Je l'ai tenté, j'avais plus d'énergie. Je me suis dit, c'est la frappe de tout l'univers que j'envoie. Et elle est très bien partie. Pleine lucarne en enroulé du gauche. Et elle nous permet, pour l'instant, c'est pas fini. Attention, va falloir se battre jusqu'à la fin quand même. Mais de mener au score et de rester en course pour ce titre. On sait jamais. 33 buts en Eredivisie, les gars, c'est incroyable pour cette seconde saison en tant que joueur professionnel. Et on sort sur ça en plus. On va regarder la fin du match. J'espère que mon remplaçant va tout donner pour qu'il ne marque pas. Faut défendre de toute façon, les gars. Faut pas attaquer. Allez, hein. On donne tout. On donne tout. Je suis derrière vous. Allez, s'il vous plaît. On se l'encaisse pas. Non, 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 non. Oh là là, gardien incroyable. Incroyable, gardien. Allez, c'est pas fini, mais quel arrêt. On va le revoir parce que franchement, il a du mérite d'avoir arrêté ce tir. Il reste le corner, les gars, et on est enfin débarrassé d'eux. Faut bien le défendre, ça va, tranquille, il arrive sur nous. Et voilà, la fin du match qui est sifflée. Après 4 minutes de temps additionnel, 94 minutes de chaleur. Et quel match, ils ont débuté aussi, ils ont tout donné. Je pense qu'ils en avaient besoin de ces points et malheureusement, ils les ont pas eu. On les remporte avec beaucoup de courage, voilà. Le doublé pour ce match. On a 5 buts en 2 matchs. On peut être content parce que vraiment on a fait un gros match, que ce soit personnel ou collectif. Ça a été vraiment un match de fou jusqu'au bout. 2 buts et une passe D du coup. On a raté 2 passes à peine, donc ça va. Et un tir non cadré. Et encore, le tir non cadré, c'est le poteau. Donc vraiment, on a cadré toutes nos frappes. 8 tirs, 6 cadrés, 3 buts. Et 5 tirs, 3 cadrés, 2 buts. Ah, il fait du bien les gars, celui-là, vraiment. Avec le beau but à la fin qui procure de l'émotion, j'ai envie de dire. Hein. Ça fait toujours plaisir de marquer un tel but. Et on va se diriger tranquillement vers notre dernier match de la vidéo. Déjà, je sais que ça passe vite les gars. Hop là, on va se faire vite fait les entraînements. Voilà, ça prend 2 secondes pour un petit peu améliorer notre général, même si on est déjà vraiment très bon avec 81, franchement. On s'en tire vraiment bien. Et voilà, notre dernier adversaire de cette vidéo sera le FC Kronang qui sont 13e. Du coup, niveau classement, ça donne quoi? Tout le monde va jouer maintenant. On a juste rattrapé notre retard parce qu'on avait un match de retard. Et du coup, on est toujours à 10 points de l'Ajax Amsterdam et à 4 points de Feyenoord. Ok, mais va falloir y aller encore une fois. Niveau info, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On va voir ça vite fait. Ok, joueur de la compétition. La récompense de joueur de la compétition, Acudius, ok, pourquoi pas moi, je sais pas. Bien joué à eux, écoutez. À eux le titre, Orange Becker, l'équipe décroche la compétition après sa super. Ah bah ok, donc c'est. Ah bah ouais, je suis bête, c'est mort. C'est mort, avec leur victoire. Une victoire 4-0 face à l'ennemi, ok, bah ils ont gagné, et du coup, ils sont champions à l'Ajax Amsterdam. Parce qu'ils ont gagné 4-0 du coup contre le FC Utrecht. Félicitations à eux. Ah, dommage, on aura tout donné en tout cas. Ça, on peut pas nous l'enlever, les gars. On va juste voir. Ouais, niveau classement, du coup, ça a bougé. Non, même pas pourtant. Ok, ah ouais, mais en fait, il reste 4 matchs du coup. Ouais, non, c'est impossible. Félicitations à l'Ajax pour leur victoire, les gars. On va quand même essayer de les coller au max pour vraiment montrer qu'on a été là durant toute cette saison. Malgré des hauts et des bas et qu'on mérite notre place au minimum second. Donc c'est parti face au FC Kronach. Allez, dernier match du coup les gars avec cette composition 3-4-2-1 pour eux. Assez spécial et nous toujours cette même équipe. Donc ouais, objectif victoire. Hein. Comme je l'ai dit, au moins montrer qu'on est là jusqu'à la fin et qu'ils ont bien fait de pas avoir fait d'erreur parce qu'on était là pour jaillir on va dire. Donc on va tout donner et on va aller remporter ce match. Très beau stade.
retrouve aujourd'hui sous la pluie. Allez. Un petit peu compliqué de lui mettre. Le retrait aussi, je pense pas que c'était l'idéal. Du coup, on la met ici. On la met là. Encore. On la décale. Oh là là, mais quelle action. Quelle action. Super passe décisive, mais surtout, superbe action. Comme d'habitude, on est au rendez-vous sur ça. Le beau jeu, c'est notre fort. On le prouve encore. On va la revoir parce que franchement, elle est fabuleuse. C'est pas le plus beau but du monde, mais c'est bien construit en tout cas. Voilà. Même si on a eu un petit peu de chance, voilà, le 1-2 est là, il a rien compris sur ma passe. Et voilà, le beau but. Du coup, deux à Avi qui marque énormément lui aussi cette saison. Il a compté, hein. On ne peut pas dire le contraire. Tout seul, c'est nickel. C'est nickel, je t'ai vu en haut. La belle passe qui arrive à destination de Madueke. Magnifique. Ma 80e passe décisive en carrière joueur. Elle est incroyable et elle est pour Madueke. Qui marque lui aussi à chaque match, hein. C'est un truc de fou. On a vraiment nos piliers, j'ai envie de dire, de l'équipe. Si jamais je les quitte, ils seront vraiment très armés au niveau de l'attaque. Il n'y a pas de problème, je doute pas d'eux. Quel but de Madueke en reprise de volée, les gars. 2-0 du coup déjà. Tout en vitesse. On y va avec nos armes. Allez, allez. On arrache. Oh là là. Le bon tir, mais très bel arrêt du gardien. J'ai pris la décision d'y aller seul, dommage. Tu m'as vu. Je la redécale. Oh là là, oh là là, et on gagne le penalty. Dommage qu'il a été contré. J'ai voulu faire un petit peu une... Je crois que c'était Benzema qui avait fait ça, si je me rappelle bien. En la remettant derrière. Même si c'était pas exactement pareil. Dommage qu'on voit mal. Oh, par contre, gros saut. Gros saut. Est-ce que c'est moi qui vais le tirer cette fois? Non plus. Ce serait bien si tu le mettais dedans, Götze. Et non à côté, comme l'a fait le dernier tireur. Eh ben magnifique, il suffisait de demander. Magnifique. Super Mario Götze, 17ème minute, 3-0. Même si c'est pas nous qui avons tiré le penalty, c'est suffisant de le mettre. Hein, voilà. On est très très bien dans ce match. Toujours autant en feu. Magnifique. Allez, on continue. Allez. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais seul. Et je croise. Oh là là, le gros arrêt du gardien là-dessus. Dommage, les gars. Allez. Attention s'il arrive à trouver un partenaire ou allié. Y aller seul, pardon. Bel arrêt, heureusement. Tu m'as vu. Je t'ai vu au centre. Allez, Zavi. Tranquillou. Tranquillou cette finition, Zavi. De la tête, du pied. T'es toujours là, de toute façon. Je compte sur toi. Tu comptes sur moi et on les mène vers la victoire tous ensemble. Parfait. Franchement, on est nickel dans cette vidéo. C'est dommage qu'on ne soit pas récompensé, que l'Ajax gagne le titre. Mais vraiment, on est au-dessus, hein, dans cette vidéo de tous nos adversaires. Ça fait plaisir, hein, pour une fois qu'on soit pas en galère et qu'on marque autant de buts surtout. Et d'ailleurs, les gars, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'on joue l'équipe d'Arjen Robben. Voilà, ben d'ailleurs, il y est, le numéro 10, regardez en bas à gauche. Je savais pas, j'avais oublié que c'était là qu'il avait signé dans son club formateur, hein, si je me souviens bien. Ou en tout cas un de ses premiers clubs. Et du coup, ouais, c'est un petit truc à savoir en plus. Ça fait plaisir de le revoir, Arjen Robben, hein, très gros joueur. Et voilà, du coup, nous, on s'arrête là pour cette première période. 4-0, on est en place, il n'y a rien à dire, rien à redire. On va voir ça. L'Ajax qui mène encore de toute façon, ok. Qu'est-ce qu'on a niveau détail du match? Un tir 0 cadré pour eux. Et nous, 8 tirs, 7 cadrés, 4 buts. Pas mal du tout. En vrai, de vrai, on n'a pas la possession, mais on est parfait dans le jeu. En tout cas, on attaque, donc continuons ainsi. Tu m'as vu. Oh là là, le beau décalage grâce au Drogba. Quel arrêt. Dommage. Non, non, super gardien. Ok, l'erreur défensive. On y va, on la met en retrait. Faut finir. Oh là là, dommage, dommage. Tu m'as vu. Je la décale en bas, tu frappes. Oh là là, elle passe pas loin cette frappe. Dommage. Ok, ben, il m'a sorti. 80ème minute, juste après cette frappe de Gutiérrez.
Ouais, on va regarder la fin du match tranquille. Pourquoi pas là-dessus? Ok, bah il siffle là-dessus. On n'a pas une dernière occasion, mais on s'est imposé 4-0. On a tout fait en première période, j'ai envie de dire. Donc, c'est déjà ça. 10 de notes, comme d'habitude. 3 passes D. 0 but cette fois-ci. Mais les passes D, c'est très important aussi. Ok, bah du coup, ouais. 12 tirs, 10 cadrés, 4 buts. Et 2 tirs, 1 cadré. Et 0 but. On n'est vraiment pas inquiété hein, dans cette vidéo. Vraiment. Je crois qu'on s'est pris qu'un but. Hein, si je me rappelle bien, ouais, un but lors du match précédent. Donc ça s'est assez bien passé, les gars. On va vite fait aller faire un tour côté classement et meilleur buteur. Juste après l'entraînement. Voilà, ça c'est fait. On simule jusqu'au match, les gars. Tranquille. Qui sera face à Adolaï. Qui sont 7e quand même. Donc c'est pas négligeable. Ouais, du coup, classement. Ajax. Ils sont là avec 84 points. Et un match d'avance par contre, nous on a un match de retard et on est à 71 points, du coup ils ont toujours pas perdu, ça veut dire. Ouais, encore victoire 2-0 face à RKC. Et les meilleurs buteurs, c'est Stade Joueur. Ok, on est meilleur buteur de ce championnat avec 33 buts en 29 matchs. Et juste derrière, on a quand même à l'heure 23 buts en 32 matchs. Donc, franchement, il a 10 buts de nous, mais c'est énormément pour lui aussi. Et regardez Zadi qui est vraiment pas loin, 21. C'est énorme. On est vraiment très très bon, nous deux. On a plus de 50 buts à deux. C'est incroyable. Donc, voilà pour cette vidéo, les gars. On va juste faire un point sur les prochains matchs et on va se laisser là-dessus. Les prochains matchs, ce sera face à Ado à domicile. Ensuite, on sera également à domicile face à Twente. Et on finira cette saison magnifique face à Fortuna. Donc on verra un petit peu ce que ça donnera dans l'épisode 35, les gars. J'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, j'y serai. Moi, j'y serai, ouais. Et ouais, n'hésitez pas à liker si vous avez le temps, à commenter, à partager, à me dire ce qui va pas, comme d'habitude, pour améliorer le contenu. Et sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine.